Voici un mini PC très intéressant. J'ai quelques questions. Qui utiliserait réellement cela? Dans quelles circonstances est-ce utile? C'est très intéressant. Nous allons jeter un coup d'œil. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez Ookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez Ookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Si j'ouvre ça, c'est le PC. C'est essentiellement comme un moniteur externe pour votre caméra. Sauf que c'est un PC. Il y a un Windows 11 complet en cours d'exécution ici. C'est intéressant, si on regarde ce qui se passe de ce côté-ci. Sur le côté gauche, nous avons une carte micro SD, deux ports USB 3.0, une prise combo micro et casque. À l'arrière, nous avons un DC 12V, un USB-C de chargement 12V, un port LAN, deux USB 3.0, un port HDMI, un USB type C. Ce dos est tout simplement clair. Qu'obtenons-nous d'autre avec cela? Câble d'alimentation. Et c'est tout. Il s'agit d'un chargeur USB-C de 36W. Ce type a aussi une batterie à l'intérieur. Chargeons-le. Et voilà. Regarde ça. Méga tendances américaines. Il y avait même un petit haut-parleur à l'intérieur. Je pense que c'est un orateur là-dedans. Regarde ça. Il y a aussi un gyroscope à l'intérieur. Si je le tiens ainsi, ça va basculer. Peux-tu voir? L'image a été inversée. Et maintenant, retournons-le de ce côté. Ce qui est très intéressant. Écran tactile également. Quel était mon mot de passe là-bas? En fait, la batterie n'est pas vide. Pourquoi cela ne charge-t-il pas? Cela montre que je suis toujours sur batterie. Peut-être devons-nous utiliser cet adaptateur secteur spécial inclus. Et voilà, maintenant, ça charge. Je suppose que le 30W n'était pas assez puissant. Maintenant, nous pourrions tout faire avec le mouvement de l'écran tactile ici. Mais je vais y connecter l'adaptateur HDMI. Et puis enregistrer la sortie là-bas. Ok, très bien. Je vais y attacher un clavier et une souris. C'est ce qui est super bizarre. Vous pouvez même l'avoir en mode portrait. Comme ça, et faites-le fonctionner. Donc, si vous voulez faire défiler des courts-métrages YouTube, c'est un PC étrange pour le faire. Regarde ça, regarde ça. Haut-parleurs internes. Pas particulièrement bon. C'est bon. Ce qui est cool, c'est que je peux littéralement y connecter mon réseau local. Je ne peux pas croire que ce PC soit si petit. C'est tellement bizarre de faire ça de cette façon. Maintenant, parce que c'est un petit PC et qu'il dispose d'un matériel très intéressant. C'est un peu lent pour ce que je fais en ce moment. Installation de nombreuses mises à jour. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit actuellement que d'une limitation thermique. Oh ma parole, il fait 90 degrés, nous y sommes. Les vitesses d'horloge sont de 2,6 GHz. Il n'y a que 4 cœurs, comme vous pouvez le voir, avec limitation thermique. Et nous utilisons 9,5W. Et avec limitation thermique à 9,5W. C'est assez fou. Laissez-moi voir quelle quantité d'énergie il tire de la prise. Fait intéressant, il charge environ 31W. 30,6 à 31W depuis la prise. Le processeur obtient 9W, et cela inclut les cœurs GPU, qui représentent environ 1W. Mode équilibré. Mettons les meilleures performances. Voyons si nous pouvons en obtenir davantage. Maintenant, c'est plus de 9W. Ouah, 9W utilisés. Alors, quelles sont les spécifications du PC? Nous avons un processeur, qui est un Celeron N5095. Vitesse de base 2 GHz. Et nous avons 4 cœurs. Pas d'hyper-threading, seulement 4 cœurs, 4 threads. C'est ça, le cache total est d'environ 5,5 mégaoctets. Pas beaucoup. Et comme vous pouvez le constater en installant simplement les mises à jour Windows en arrière-plan, notre processeur fonctionne à 100%.
La mémoire que nous avons est une N5095 de 16 Go à 2133 MHz. Voici donc le lac Jaspe. Il a été lancé en 2021, ce n'est donc pas l'un des processus les plus récents. C'est fondamentalement comme l'architecture de 11e génération. TDP de 15 W. Nous ne tirons que 9 W jusqu'à présent, 9,5. Nous pourrions donc en avoir un peu plus. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit toujours d'une limitation thermique. Pleine force sur tous les noyaux. Chaque cœur est limité thermiquement. Ne prend en charge que la DDR4. Et nous avons 16 Go de DDR4, ce qui est plutôt bien. Nous avons un SSD à l'intérieur, qui fait 256 Go. Intéressant. 230 Go. Intéressant. SC à 256 générique. Je n'ai jamais vu celui-là auparavant. L'Ethernet ici est un gigabit Ethernet. Pas 2,5 Go, mais GBE. Ok, c'est donc un gigabit. Nous avons également une connexion Wi-Fi. Et nos graphismes. Wow, ce type est vraiment chaleureux. Comme 45 degrés et plus. Comme vous pouvez le voir, un coin de ce PC est à 53 degrés, ce qui est assez insensé. Il reste un petit truc chaud en dessous. Ouais, vers 52, 52, 53 degrés. C'est joli, plutôt chaleureux. Ok, nous voilà à nouveau. Maintenant, Windows 11 arrive ici. Ce PC est actuellement inactif et nous utilisons environ 30% du processeur. En fait, je suis en train de charger. Attendez une seconde, laissez-moi vérifier. Je pense que je suis complètement chargé en ce moment. Je ne peux pas mettre les mises à jour en pause parce que c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, il effectue les mises à jour en arrière-plan, ce qui n'est pas idéal. Mais ce que nous allons faire, c'est quelque chose de très, très stupide. Nous avons donc actuellement un processeur fonctionnant à environ 6,5 watts. Il fait 80 degrés. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas de place là-dedans. Cela ne me dérange pas du tout, mais je veux juste voir ce qui se passera si nous le fixons absolument. Parce que je sais qu'il produit 15 watts, quelque chose comme ça, à peu près, qu'il peut atteindre. Comme vous pouvez le voir, la limite PL2 est de 20 watts, qu'elle peut également atteindre. Mais il fait très très chaud. Il fait très chaud au toucher en ce moment. Comme vous pouvez le constater, ces quatre petits cœurs fonctionnent à 2,4 GHz. C'est pour le moins très, très lent. Nous allons probablement être très, très bas là-dedans. Mais je pense que ce n'est pas là l'intérêt de ce PC. Parce que regarde ça, je vais couper le courant maintenant. C'est sur batterie maintenant. Ok, il n'y a pas d'alimentation, mais nous avons toujours l'alimentation du moniteur. Ethernet, mon clavier et ma souris y sont connectés. Voyons si nous allons toujours faire à peu près la même chose. Eh bien, nous allons toujours tirer 89 watts. Je pense que je vais aller ici et commencer cette intervention sur cet écran. Mais sur l'enregistrement d'écran, vous pouvez voir que, oui, sur batterie, nous faisons la même chose vers 8,4, 8,4 à venir. Où sommes-nous actuellement? 9 watts maintenant, littéralement 8,2, 8,8, 8,7, 9 watts. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes à peu près les mêmes performances sur batterie ou sur ceci. Maintenant, pourquoi quelqu'un utiliserait-il ce PC? Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un écran tactile. Cela place donc cela dans une position tout à fait unique. Vous pouvez simplement, vous savez, commencer à naviguer sur le web. Mais l'une des choses que les gens pourraient vouloir utiliser, c'est pour les signatures. Disons que vous devez signer un document ou quelque chose comme ça. Vous disposez d'un écran tactile sur lequel vous pouvez le faire. Il fonctionne sur batterie, vous n'avez donc pas besoin d'apporter autre chose. Vous pouvez simplement le mettre dans une tablette. Vous pouvez y connecter beaucoup de choses, ce qui est tout à fait correct. Mais ce que je veux faire, c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur, car il s'agit d'un écran d'environ 5 pouces et assez intéressant. Je dois. Mais comment peut-on entrer à l'intérieur? Je crois qu'il y a des vis secrètes en dessous. Voyons. Oui, j'ai raison. Les ventilateurs fonctionnent toujours, même si le PC s'éteint. Waouh. Et voici la batterie directement au dos de celui-ci. Il est donc possible de l'enlever. Tout ce que vous voulez faire est simplement de presser quelque chose entre le côté et sur ce panneau. Cela se fait avec un petit effort. Alors, voudriez-vous regarder ce petit ventilateur là-dedans? Et voici la batterie. La batterie mesure 2500 mAh et 19 watts-heure. Maintenant, si je ne me trompe pas, ce que vous pouvez voir, c'est cette puce ici et il y en a une autre de l'autre côté, puis en faire passer une dans le ventilateur. Vous pouvez également y voir. Je pense qu'il s'agit de la RAM et de votre stockage réel également. Nous pourrions essayer de regarder de l'autre côté. Il y a quelques vis ici pour passer là-bas.
Mais vous pouvez tout changer. La seule chose que vous pouvez changer est la batterie si nécessaire. Mais cela semble être une batterie assez standard si vous souhaitez simplement la remplacer. Voyons s'il se rallume. Ouais, voilà. Le ventilateur est allumé et il semble que le PC fonctionne. En conclusion, c'est vraiment un PC sympa. C'est la chose la plus portable que j'ai vue avec un écran, tout. Mais la question demeure. Je ne sais pas pourquoi vous en auriez besoin ou pourquoi cela a-t-il été créé. Je veux dire, faites-moi savoir si vous le savez dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi utiliseriez-vous quelque chose comme ça? Vous aimez quelque chose d'un peu plus gros qu'un smartphone? Bonjour. Oui, je parle à mon PC Windows. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous voulez vérifier celui-ci, il y a un lien dans la description ci-dessous ainsi que Minec. Si vous voulez me contacter, toutes les questions recevront une réponse via Minec. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.